On va mettre le plan en place, mais j'avoue que par contre, la prochaine fois, on va attaquer sur quelque chose de bien bien stylé, à mon avis. Hein. Ah, puis moi, les rapaces, c'est ma phobie. Hein. C'est... les rapaces, j'aime pas ça. Ah bah, ils ont une tête affreuse, ils sont vraiment horribles. Ah, mais ils sont vénères en plus, hein. Tous, il y en a plusieurs. Déjà, un, c'est chaud. Je cherche Juan Rainer. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors, Monsieur Jacques vous envoie ? Jacques ? Jacques Matt. Monsieur Rainer n'est pas là. Je peux prendre un message ? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il ? Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Les allées et venues de Monsieur Rainer ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose ? Non, mais ils sont tous chiants. À chaque fois qu'on doit parler à quelqu'un, bah, il n'est pas dispo. Bah ouais, bah, demande-lui ce qu'il fait de son temps, lui. Ouais, bah ouais, ouais. Je vais attendre, mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser ? Monsieur Rainer est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons, et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en ce moment ? Peut-être que je peux passer le voir là-bas ? Bien essayé, mais non. Je ne dirai rien. Elle me gave un peu. Ah, elle m'énerve, hein. Y'a que toi ici ? Non, parce que... Matt ne va pas être content. Juan, on va te faire parler, hein. Ne s'occupe pas particulièrement des sentiments du petit major. À bientôt, peut-être. Non, mais insupportable, vraiment. À bientôt, peut-être. J'ai envie de la claquer, hein. Et là, vas-y, fais le coup de pied, je te regarde. Peux pas, t'as la chance. Aiden, tu t'installes en ville ? J'y travaille. Mais hier et Jack m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant, très différent des autres pacificateurs que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que c'est pas des pacificateurs, Sherlock. Les affaires, c'est ça, la religion. Je vois. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas à trouver leur patron. Juan ? Il aime se faire rare. Il rôde probablement autour du fisheye. Allez. La cantine. Ce bâtard a sa propre table là-bas. Il soudoie le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui sont pas au menu. Il vit comme si la chute s'était jamais produite. Je vais le chercher là-bas. Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance, si tu le trouves. Oh là là, ça va être le gars insupportable, c'est sûr et certain. Allez, c'est lui du coup, c'était qui, Juan ou je sais pas quoi là ? Ouais, je crois que c'est lui. Juan Rainer ? Ouais, voilà. Tu t'es perdu, mec ? On n'a pas demandé de serveur. J'ai reçu l'ordre de te retrouver, de Meyer et du commandant. Je m'appelle... Je sais qui tu es, Aiden. Après ce coup d'éclat avec les renégats, la moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse. Même Vinny ici présent. Oh, on est une star. Mais t'as interrompu notre repas. Explique-toi en une phrase, je te prie. Et puis, va-t'en. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lampes UV. Meyer dit que tu dois une livraison au pacificateur. Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet ? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou et que tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas à quoi je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas, Vinny ? Je sais pas. N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pendre. Du moins, pas maintenant. Ah, Vinny, quand est-ce que tu te comporteras comme un homme ? Tu veux mon attention, Aiden ? Montre-moi que tu la mérites. Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Bah écoute, je pense que j'ai bien envie de le menacer, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Bah oui. Comment ça, demander l'aide, c'est pas... ça va pas le convaincre, en fait, non ? Bah, je pense que ça va être peut-être le supplier... Mais sinon, convaincre Juan de vous faire confiance. Je pense que le mieux, c'est convaincre. Ouais, voilà, je pense que c'est le mieux, mais honnêtement, j'ai juste envie de le menacer, moi, mais bon. Non, mais vraiment. J'ai envie de le démonter. Je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt. J'en doute pas. J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin. Mais t'es nouveau ici. Défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules. Il faut être plus subtil avec les gens. Chacun a son propre désir, son propre prix. Tes arguments ne fonctionnent toujours pas. Mais c'est encore. Ok, je vais le buter. Mm-hmm. Je le menace, hein. Ah oui, vas-y.
Pourquoi pas une cour martiale? Matt peut s'en occuper, non? Une cour martiale? Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs? Qui nourrirait l'armée? Lui fournirait ses armes et ses vêtements? Une semaine sans moi, et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les fournisseurs sont tout. Essaie encore, mec. Non, mais compte pas sur moi pour supplier, c'est mort. Viens, on s'en va. C'est bon, on peut faire sans lui, hein. Ton temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux? Comme on le disait autrefois, si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Viens dehors, je te pète les jambes. Oh, il me saoule. Il y a une cassette derrière lui, prends-la. Pour en revenir à des questions plus pressantes, alors, qu'irions-nous essayer ensuite? Ça fait des progrès avec notre propriétaire. J'ai jamais rencontré un type comme lui. Je te l'avais dit. Viens me voir chez moi. On pourra discuter. Tu peux pas lui casser les jambes, vraiment? Non, parce que là, j'ai vraiment envie de me le faire, tu vois. Ah, je vois, hein, je vois que là... t'es vraiment... Mon double saut, ce serait bien qu'il marche un jour, là. Oh, ça va marcher. Laisse-moi deviner, il a englouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés? Un jeune homme, mais le reste est exact. C'est un sacré numéro, c'est sûr. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'empuver et Juan traîne les pieds. Ça va être dur. Juan écoute à peine Jack. Et ce sera encore plus difficile pour toi. Il a ses propres âmes et sa propre base. Et il adore le balancer à la figure de Jack. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Fais comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art, les artefacts, les trucs chers d'avant la chute. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça? J'ai entendu parler d'un vieux Polonais qui vivait dans un penthouse près du passage de la Libération. On dit que c'est un collectionneur d'art. Tu peux essayer de le trouver. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Je serai à la radio. Je te guiderai. Et toi? Tu pars à la chasse? Non, à une fête. C'est l'anniversaire de Danior. Mais on sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Viens boire un verre avec nous quand on aura fini avec Juan, ok? Je pense pas que Danior m'apprécie. Il aime personne. On se tient au courant. Ah, c'est insupportable. On a une mission palpitante qui nous attend et on est obligé de faire des missions comme ça, là, toute naze au milieu, parce que l'autre, il veut pas se bouger, quoi. Ouais, c'est frustrant. Va chercher des œuvres d'art. Bon, on va foncer, hein. Allez. Bon, écoute, ce sera l'occasion déjà de tester un peu nos armes, parce que c'est vrai qu'on s'est pas trop battu dans le dernier épisode. C'est vrai. Celui d'avant, c'était à coups de pied uniquement. Je peux me buter, je le sens. Non, c'est nickel, c'est nickel. Mais ouais, non, j'avoue que je savais pas que ça allait t'enlever le point 2 aussi. C'est chiant, parce que du coup, tu voyais pas où il fallait aller. Oui, et là, on monte ici. Bah, heureusement que t'es là, parce que sinon, ça aurait duré 8 ans. Non, bah, c'est parce que tu voyais plus le point, sinon, c'est pareil, t'aurais fait comme moi. Ouais. T'inquiète. Par contre, faut la... Attends. Ok. Il y a un truc inspecté, là, j'ai vu. Examiné. La one, il reste rien. Danior a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. Ok. Il y a un autre truc inspecté. Là? Ah non, là il y avait une masse. Ah, il y a un étage, regarde. Je suis pas sûr. Comment on peut y monter? Ah bah c'est comme ça. Bien vu. Il a pris ses peintures, mais il avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Et on a deux trucs à inspecter encore à côté. Ah, par contre. Ok, ça va être cette pièce-là. C'est il y a un téléphone. De ce qu'il a pris, on dirait. Collection devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico 38 de ville, on vous rappellera.
aller sur le toit du coup ? Ouais, je pense, hein. Dawan, je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je vais voir. Bonne chance. Ah, j'ai vu ça en face. Ah, bonjour. Ok, faut que tu viennes ici. Oh là ! Ok. Oh, putain, il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Lawan, j'ai trouvé notre collectionneur, mais aucun signe de sa collection. Lawan ? Eh, t'es là ? Elle a une fête, elle t'a dit. Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky. Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine ? Je l'ai vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Il retourne probablement dans ses quartiers. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Danior est un très grand fan de cette vodka. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Par contre, on a une hauteur d'ici. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, ouais, et en face, faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. Effectivement. Bon, objectif mis à jour, prenez l'alcool. Hop. Nickel. Allez, parlez à nouveau, assister à la fête, ah bah c'est tiens. Optionnel. Tu veux qu'on fasse quoi ? Perso, les fêtes. C'est pas trop mon truc. Donc ça, je suis plutôt solitaire. Qu'on passe sur le toit, j'en profite pour activer la planque. Hein. Ouais, t'as raison. J'aurais dû m'arrêter aussi dans le sens où... Aïe. Dans le sens où je vais plus avoir de stamina, en fait. Ah oui, la dinguerie. Ok. Donc c'est quel point, du coup, entre les deux, c'est le... Ok, ça doit être celui vers lequel tu diriges, là, le... Si jamais on a une mission ici et il y a une arme légendaire de niveau 3 à récupérer, si on tue le chef des bandits ici, bah vas-y, de toute façon t'as pas un super coup de pied toi? Bah si, je voulais quand même retester vite fait. Attends, je voulais sauter sur la tête aussi. Ah vas-y, je vais retester quand même le marteau, je pense. C'est quoi, c'est eux, on avait dit? Il est où? Prends ça, mange-merde! C'est pas eux du tout. Non, c'est pas lui. Aïe, quoi? Ah, c'est un archer. Ah, mais attends, mais. Ah, je vais me heal avant. Ils m'ont mis. Bah, en vrai, j'avais pas beaucoup de vie, j'ai pas. Je me heal tranquille, j'arrive. Vas-y. Ah, bah, tu es le lieutenant avant même que j'arrive. Attends, je vais tester mon arme! J'essaye de faire un coup de pied, ça ne marche pas. Ah, ouais. Si, c'est quand même. C'est quand même efficace le marteau. Ok. Vas-y, tu peux le tuer. Oh. Il y a eu un coup de jus. Je crois que ça m'a tué aussi. Oh non! Ah, ça m'a tué aussi. Ah, toi aussi? Non, ça m'a pas tué. Ah, mais c'est lié à le trompettiste qui est arrivé en fait. Ah, moi je suis mort. Mais je crois que je suis. Alors, je sais pas s'il m'a tué derrière ou quoi. Et en fait, je l'ai envoyé sur une armoire électrique. Ce qui est vachement stylé d'ailleurs. En passant. Ah, mais tu t'es pris un coup de jus du coup, ouais. Mais du coup, je pense que j'ai pris un coup de jus aussi. Ah, ouais. Ah mais merde, maintenant il y a toute la troupe là à cause du... J'arrive derrière toi, t'inquiète. Oh, j'ai pas pu me... Il me balance des couteaux. Oh, stylé. C'est quoi? Il est où l'autre lieutenant là? Ah, le mec il m'a répondu pile au moment où j'ai parlé, c'est trop drôle. Ah ouais? Oh, il a fait là, il est là! Mais il répondait pas à ma question. Hein. Non mais. Oh, allez. Ah, ça c'est propre par contre. Ok, ça c'est un move stylé. Je vais chercher le lieutenant. Attends. Bon, on le voit pas là en fait, ok, c'est pas les indicateurs. Peut-être on pouvait activer la quête pour le voir, je sais pas. Mais déjà, il y a plus personne là, c'est quoi ce bordel? Normalement, il y a le chef de bande et un autre lieutenant à trouver apparemment. Attends, je vais voir si on peut activer. Ah, mais il y a bâtiment en face aussi.
Oui, bah si t'actives le truc, c'est bon. Si t'arrives à le trouver. Ah, il est là, il est là. Moi, je suis dans l'activité. Ah, les gangsters de la ville, ouais, attends. Il est sur moi, attends. Le mec. Hein. J'ai fait marquer lieu. Est-ce que ça. Ça change rien, ok. J'arrive. Ah, sur le coup, je croyais qu'il y avait qu'un seul lieutenant et tout, c'était tranquille, mais. Mais non. Ah, bah tu l'as ouvert, hein. Ouais, bah il était haché. Ouais, je vois ça. Par contre, il y a attends, le. Attends, c'est bah, où le chef, la zone à tourner. Ah, tu es le chef maintenant, ok. Ouais, en vrai. Il est je où pense le chef qu'il faut monter. Il doit être en hauteur, non. Vas-y, hein. On le trouve vite fait, on le balance à coup de pied et c'est réglé, hein. Bah ouais. En fait, je me rends pas compte la zone, à quel point elle est. Elle est grande. En fait, oui, je sais pas jusqu'où on peut aller pour que ce soit considéré comme la zone. Est-ce que c'est le point d'interrogation qu'il y a tout en haut? C'est possible, hein. Ah ouais, il y a du monde. Attends, il y a quelqu'un là. Oh, chef de gang. Il est là, il est là. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Ah, par contre. C'est bon. Il est mort. C'est bon, c'est bon. Ouais. Putain, mais c'est parfait. Allez, attends, faut vas-y. Prendre la zone. Sauve-moi. Je peux okay. Le truc. Vas-y. Aïe. Ah non. Vas-y. Ok, vas-y. Ok, c'est oh, compliqué. Mais non, hein. Je suis à terre. Ah oui, mais moi aussi. Non, en fait, c'est impossible de te cover. Ils sont de tous les côtés. Ah ouais. Merde. Ah oui, c'est impossible. Oh non. Non, il faut que tu te battes, hein. Faut pas que tu fasses ça. Faut que tu te battes avec moi. Bah, d'abord, ça a on en tue quelques-uns. La fois dernière, j'ai voulu tenter. Mais la fois dernière, il n'y en avait qu'un seul. Là, il y en a des deux côtés. T'es loin du truc ou pas? C'est en face, c'est là où t'es? Ah, moi, je suis mort, hein. Ouais, non, moi, mais je suis derrière toi. Ah, j'ai ah, vu oui, un pont en face, bah, ça doit être là. Bah, je pense que tu m'as vu avant que je revienne, donc sûrement. Ah, bah, à droite, il y a un truc qui s'élève, ok. Et du coup, ils sont revenus? Non, je pense pas. Ah, quoique, vu qu'on est morts tous les deux, remarque. Non, c'est bon. Oh, l'élimination! Ok. Par contre, c'est où le truc à faire? Attends. Vite! Ah, purée de patate, hein, ça aurait pu marcher. Hein. Ok, bon, lui, il saoulera pas. Du coup, c'est tiens, juste là où t'es. Dégage. Ouais. Ok, mais jusqu'à. On va le planter. C'est bon? J'y suis presque! Il n'y en a pas d'autres sur toi? Ouais, c'est bon, nickel. Ouh. Par contre, on n'a pas fouillé les corps, du coup, est-ce qu'ils vont pas disparaître? Je sais pas. Ah, mais la récompense, là, je veux voir ça. Hein. Par contre, c'est tellement du. Oh! Ok, tout a changé. C'est tellement du no-respect sur le sur le chef. Ah, c'est encore une zone wow. Très stylée. Et vous voyez voir du coup la nouvelle arme. Ah oui! Oh là là, 86 de dégâts! Oh, on est full légendaire et tout. Attends, je vais la tester celle-là. On peut pas je mettre pas de la... mode dessus, moi je la garde pour le moment de côté, hein, celle-là. Ah, je veux juste tester 2 secondes sur un petit truc là, pour voir. Voyons voir, en bas il y a des trucs à tuer et ensuite on va à la quête. On va y aller en direction de la quête à la limite comme ça. On est où d'ailleurs sur la map là? J'ai un maillot de quarterback, what the fuck. Ah ouais, et il commence à y avoir des zones hein, de pacificateurs. Hein. On a déjà 4 cool, zones pour hein, eux. Ah, il y a des territoires renégats au sud, ça va sûrement être pour la fin je pense. Par contre j'ai rien compris avec mon coup de pied, ça marchait pas là, je pouvais pas leur écraser la tête. Oh! Peut-être que ça marche pas sur regarde des boss. Ah, c'est l'arbalète! Ah, le disque là! Oh, stylé! Ouais. Oh vache! Oh, stylé! Oh, il y en a pas un là, attends! Je le touche pas du tout! Bah! Attends, j'ai le réticule dessus! Tiens, essaye! Ah ouais? Tiens, attends! Ah, attends! Je vais essayer de t'en rapprocher! Maintenez contrôle. Attends, il y en a un autre là! Attends, j'en ai un autre là-bas au pire! Bah moi ça touche pas du tout, c'est quoi cette merde? Par contre je peux pas. Ah je peux pas regarder de ce côté là par contre. Maintiens contrôle, tu vas voir. Oui non mais je peux pas regarder derrière moi. Oui ça je sais, moi c'est pareil. Mais c'est chiant parce que tous les zombies ils sont derrière moi. Je comprends pas, je les touche pas, c'est quoi ce bordel? Bah, je pense qu'il y a une portée. Bah. Comment on sort? C'est une toute petite portée. Sûrement échappe. Comment, non on... Comment on quitte? C'est. Si. Bah c'est mauvais. Attends, je vais essayer d'en avoir un pour voir. Viens par là. Viens mon grand. Viens juste dans la portée. Il y a 1 et 2 en point. Pourquoi 1 et 2 déjà? Attends, lui va un peu vite, ça va être chiant. Ah bah tiens, ça va tester l'arme. Ah, par contre, un peu long d'utilisation, mais efficace, hein, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Oula. Doucement les gars. Ah si, ça marche. Hein. Ah ouais.
Ah, ça marche très bien même. C'est plutôt très efficace. Ah, franchement, c'est efficace. Hein. Tiens, tu vas tester, viens. Oh, je suis déjà parti. Ah, sinon non, je t'en accroche sur toi. Ça m'a... J'ai pas trouvé ça rigolo. J'étais en mode c'est trop long et tout. Je me suis pas amusé, c'est bon, je peux pas. Je suis pas amusé, je mets une mauvaise note. Bah non, mais il faut qu'ils soient prêts quand même, en fait, les... Il faut qu'ils soient prêts, les ouais, zombies. C'est vrai que si de là-bas tu touchais pas, je trouve ça un peu aberrant. Ah, je touchais pas du tout. Hein. Ouais, c'est un peu dommage. Du coup, on fait pas la fête, on est d'accord. Hein. Ouais, moi je suis pas motivé ouais. Pour la fête. Vas-y, tu vas peut-être avoir la TP d'ailleurs, tiens. Parce en que fait, là, ce qui me dérange... J'arrive au conteneur. Ouais. J'ai pas l'impression, mais je suis pas loin, je suis à côté. Non, ce qui me dérange, c'est que... En fait, là, j'ai envie d'aller faire la mission, tu vois, dans le truc avec la rapace bah et ouais. Tout. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on perd mon temps, les mecs. J'ai pas que ça à faire. Ah bah, des fois, c'est comme ça dans les jeux. Hein. Ils vont faire de la quête un peu secondaire. Même si c'est pas trop secondaire, mais ils vont faire des trucs à côté. Ouais, mais tu vois, les secondaires, ça me dérange pas. Hein. Genre, tout à l'heure... Sur l'autre épisode, du coup, avec Aitor à les sauver. Avant, on avait fait la petite cité et tout, c'est sympa. Ouais. Mais là, c'est juste un mec qui veut pas faire son job et que j'ai juste envie de cogner et j'ai pas le droit. Je suis frustré. C'est vrai que ça, t'as bien envie de le défoncer, toi. Je suis juste frustré là-dessus, ok. Ok, je suis ici. Et là, tu continues de descendre, t'as des escaliers, ah, tu oui, vas voir, tu peux descendre. Ouais, je suis le point, de toute façon. Ouais, tu veux pas rater, il y a un truc où c'est écrit Juan. Et regarde, tu vas voir mon maillot de quarterback. J'avoue que j'ai... Oh, c'est marrant. Bon, on l'a eu en cadeau, je crois. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc... Il est tank, donc je me dis, vu ce que je prends, c'est mieux d'équiper allez, ça. Il a une bonne armure, après. Voilà, il y a des stats pour l'attaque sur celle que j'ai, donc... Oh là Bonjour. Il est alléchant, n'est-ce pas ma chère? Tu veux te joindre à nous? Plus on est de fous, plus on rit. Non merci. Oh, je t'ai embarrassé. Je suis désolé, j'ai cet effet sur les gens. Il m'énerve. Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi. Je dois admettre que j'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. Single Malt des Highlands, de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédant la pandémie. J'ai lu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Ah, quel cadeau sublime. On va peut-être boire parce que sinon il va nous saouler. Hein. Ouais, vas-y, j'espère qu'on tient l'alcool. Hein. À ta santé, beau gosse. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes? Matt t'a-t-il dit pourquoi il les voulait? Pourquoi il les voulait vraiment? Ouais. Pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux? Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Ouais, mais j'étais pas là il y a une dizaine d'années. Non, on va pas demander pourquoi c'est si dangereux, il nous l'a déjà dit. Ouais. Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc on devrait commencer à lui construire un monument, non? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai mes espions, parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage. Un simple levier à tirer, et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout.
Les renégats, on demande quand même. Ouais. Pourquoi ils ont attaqué? Alors pourquoi le boucher a attaqué la cantine? C'est au centre-ville. Bonne question. Ce n'est peut-être pas le colonel qui a donné cet ordre. Il se passe autre chose. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et les lampes UV? Pourquoi il en a besoin alors? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Bah, j'avoue que je veux bien le croire dans le sens où il a l'air bizarre quand même, Matt également. Enfin, Jack Matt là. En ce moment, il est bizarre, donc... Bon, dans tous les cas, nous, on a une mission. On fait quoi, là, du coup? Moi, j'ai pas le temps pour ce genre de jeu, hein. Je suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes pour... découvrir ce qui est arrivé à ta sœur, n'est-ce pas, Aiden? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Waltz et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi essayez de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Oh là ! Alors je l'aime pas du tout, mais c'est vrai qu'il a l'air efficace, et c'est vrai que Matt a l'air de cacher quelque chose. D'un autre côté, on est resté droit tout le long et on l'aime pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, c'est 15 vrai secondes. Que... Oh, bah vas-y, on l'aide lui. Tu veux l'aider lui, du coup ? Ah, je sais pas, vas-y, c'est toi qui prends la décision. Non, je suis pas sûr, justement. Ah, je sais pas. J'ai pas envie de trahir Matt, en fait, pour autant. Vas-y. Tu me dis que tu te serviras pas de ton Matt. Propre putsch. Je suis pas ton ennemi, Aiden. C'est dommage que tu ne le vois pas. Tu auras tes lampes. Va discuter avec Demoulin. Qui c'est? Un de mes hommes. Je l'ai envoyé chercher d'autres lampes, mais ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Où je peux le trouver? Dans le coin, a priori. Trouve-le. Et reviens me voir. Compris. Mais c'est pas possible, on va jamais les faire, c'est... Ouais, non, mais c'est horrible. Hein. J'ai pas envie de bosser pour un mec, en fait, qui va nous saouler pour tout, en fait. Mais faut que je parte. Elle m'a dit quoi? Tu veux la taper? Je crois qu'elle m'a dit un truc. On peut se retourner pendant un saut. Oh, mais attends, mais ça, c'est un move stylé. On a une nouvelle arme, hein, une glaive. Ah, je peux regarder. Ah ouais, je voulais prendre le truc, mais toi, tu me dis que t'arrives pas en touchant le sol à faire le move, donc est-ce que je prends... Ah non, mais moi, j'arrive pas à le faire parce que je suis nulle, mais si ça se trouve, toi, tu vas réussir. En tout cas, moi, je me suis éclatée à chaque fois. Purée. Je peux te dire, c'est douloureux. J'ai envie de prendre le fait de pouvoir se retourner à 180 degrés pendant un saut, parce que je trouve que c'est quand même vachement fort et... Appuyer sur C juste avant de toucher le sol. Ah, ça doit être que je le fais pas juste avant. Hein. Bah attends, je vais essayer le C. Vas-y, je vais essayer de le prendre quand même. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et après, on verra. Bon, par contre, on va jamais les faire, ces rapaces, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est horrible. Et du coup... Ok, ça y est, j'ai débloqué l'arme et tout. Elle est bien? Bah, elle est pas aussi forte que celle qu'on a eue, par 4. Contre, hein, tu vas voir. Ouais, c'est toujours mieux que mon katana actuel, hein, de toute façon. Mais bon, ça fera encore. Ça fera encore l'affaire. Alors, ici. J'imagine que c'est vers là où t'es. Ouais. De toute façon, faut sortir. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il planque, les fournisseurs? C'est pourtant pas compliqué de livrer des lampes, merde. Tu sais que quand je fais des sauts là, je fais juste des petits sauts pour tester et je fais C et je vois que mon perso il fait un à-coup par terre. Donc je sais pas si c'est ça. Déjà, je m'entraîne, je fais C. Tac. Et tu vois, il ouais, tape par terre, ça. Il fait un truc. Donc c'est alors, juste accroupi trouver... en fait. Hein. Non, c'est juste un accroupi que tu fais en fait. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Bah, c'est vraiment nul alors. Attends, je vais tester de là-haut. Vas-y, je te regarde. Vas-y, je vais tester. T'es prête pour me relever? Parce vas-y. Que je sens que je vais me louper. Hop. Alors? Ah, tu t'es raté. Tu peux me relever, s'il te plaît? J'arrive. Ah, mais t'as vu, c'est pas facile. Hein.
Je sais pas, je vais retenter parce que j'avoue que par acquis de conscience, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien tester peut-être de moins haut, peut-être que d'ici déjà serait bien. Ah, c'est bien déjà ici. Ah, t'as réussi. Ah, j'ai réussi. Ok, je vais réessayer maintenant de plus haut. Non, je comprends. Alors, je sais pas si je peux laisser appuyer ou pas, là j'ai laissé un peu appuyer donc peut-être que ça y a joué. Et sinon, je l'ai fait un petit peu avant que tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut vraiment le faire assez en avance, tu sais. Ouais, je sais pas. Attends, je refais draw. T'es en bas toujours? Ouais, ouais. Ah, ok. Ça va? Alors, c'est je me compliqué, dis que... hein. Alors, je vais quand même l'entendre une dernière fois de là, mais en fait, je me dis, ils disent que ça atténue les dégâts de chute. Et que ça permet de conserver la course. Et donc je me dis, est-ce que vu que ça atténue juste, est-ce que si on est trop haut, eh ben en fait ça marche pas parce que juste on se suicide. Ah t'as réussi. Ah oh, j'ai réussi. Bon je pense que c'est une question de timing alors. Ouais bah alors c'est mort du coup j'aurais jamais le truc. Hein. J'aurais jamais dû prendre ce truc. Bah après faut tester mais ouais. Non par contre, si c'est quand même bien. C'est quand même bien mais j'avoue que le timing a l'air d'être un peu serré. Mais ça va. Bah, c'est faisable. Du coup, on est à côté. C'est vrai que je peux sauter sur la tête des zombies et des mecs. J'ai fait un jump, dis donc. Ah, j'avoue que toi, c'est trop bien pour monter ça, ouais. Faudrait que je le prenne en fait. C'est pratique ce truc. C'est par où là? Attends, c'était en bas, non? C'est là où t'es? Récupérer des objets de valeur cavité sombre. Ouais, c'est là où t'es, je pense. Attends, non, c'est pas ce truc là. Oula. Y'a quelqu'un? Aïe, je me fais cracher dessus, dis donc. Ouais, justement, c'est vers lui que je voulais aller. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ok, c'est une porte. Il y a une porte, faut que tu viennes ici. Attends, parce que j'ai tué. Il y a des mecs qui veulent m'agresser et tout là. Il m'énerve. Il y a moyen de looter un truc spécial sur moi si tu veux. Ah, ah ouais. Ouais. Par contre, ah. Vas-y, c'est celui qui est là. Prends ça et on y va. Ok, c'est bon, vas-y, fonce. Vas-y, go. Ah, y'a un autre crasher d'ailleurs, mais bon. Ouais, let's go. Puis pour eux. Ouais, on va ouvrir. Oh, ah, trop bien. Je pense que lui, je pourrais pas le propulser avec mes pieds. Je vais essayer de lui sauter sur la tête. Tout le monde qui veut faire son coup spécial, tu sais. Est-ce que c'est je le gars de donner un coup de pied, mais. Est-ce que c'est le gars qui veut nous filer l'UV là parce que... Bonjour. C'est Walter peut-être. Oh là. Bah écoute, je vais essayer de lui sauter sur la tête. Tu peux me relever? Mais non. Bah je t'es fou ou quoi? Mais je te relâche. Bah je voulais pas, lui donner un coup de pied. Il prend des rochers, mais il me les. Justement, il est lent. Non mais. J'ai plein de monde sur moi et tout, je t'enlève pas, c'est moi. Sérieux? Mais j'ai beaucoup trop de monde. Je vais essayer, si je meurs, je te prends. Non mais c'est bon, je suis mort de toute façon, t'inquiète. Voilà. Non, je sais pas, quand il y avait le gros, tu sais, je me suis dit. Mais y'a pas que le gros, y'a d'autres mecs et tout qui tapent. Oui, oui, mais des fois en faisant un petit tour, t'as le temps de bait, tu sais, comme je t'avais relevé oh, non. Sur. Non, mais sur, attends, quand on est y a une dans différence la ville, entre Horse, Esquilé et qu'il ira. Non, mais y'avait rien. Non, mais c'est juste, tu fais un petit tour et généralement, comme ils sont un peu lents et tout, et là, on peut se relever assez vite. Mais en fait, en soi, j'ai respawn juste à côté. Donc c'est pas gênant, t'inquiète. J'avais pas vu. Mais tentez de lui sauter sur la tête. Oh, je vais sauter sur la tête. Tiens. Ah, j'ai réussi à faire ma roulade. Mais c'est pas ça que je veux faire. Aïe. Ah mais en fait on lui saute dessus, non, mais moi je veux pas sauter dessus. Oh là là, je suis pas bien, faut que je me heal un coup. Hein. Ok, alors moi je propose. Oui. Ça c'est peut-être bien. Tiens, attention. Je vais te sur la tête. Y a comment du ça, feu attention sur toi. On va continuer de l'avoir avec le feu, hein, écoute, hein, tranquillement. Du coup, attends. J'allais peut-être enlever mes lance-flèches. Attends, parce que là, il y a un. Saute sur la tête! Mais je comprends pas, c'est quoi quand ça me met espace? Il y a un logo pour me dire espace, je comprends pas. Bah ouais, pas. En fait, on peut sauter sur lui, mais. Tiens! En fait, on peut sauter sur lui, mais je sais pas l'intérêt. Aïe! En fait, faut peut-être sauter sur lui et le taper en même temps, je sais pas trop. Après, il y avait toujours l'option de l'arc. Hein. Oui, c'est vrai. Je lui heal un coup. Hein. Vas-y, vas-y. Il est où? Tu sais que je vois pas où il est. Il doit être juste en fait, en il est à l'intérieur. Moi, je pense, hein. Ah. Ouais, il est rentré dans le truc.
Mais attends, mais il est... Il aurait pas dû pouvoir rentrer d'ailleurs. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré en dessous. Ah ouais? Et il a triché un peu. Ah bah ouais, mais là il chute, parce que son caillou il va peut-être ressortir lui. Oh! Ah bah oui, mais on peut pas le... Attends, je le tape comme ça. Aïe! Ah bah oui, alors par contre lui il peut mettre des tatanes. Hein. PH, moi 2 secondes, je me prends dans... Je vais faire une paf là-dessus en fait. Non bah attends, oh, c'est de l'abus là ce que tu fais mon petit hein. Aïe. Ah là il a pris feu au moins. On va se healer rapidement. Ou pas. Il me touche avant. Non. En fait on est tellement tranquille avec l'autre qui s'est coincé. Ah parce que t'as l'impression que je suis tranquille. Oui. Je me fous le bas derrière avec tous les zombies moi. Ah bah toi t'as un crack. Non je suis pas un crack, mais arrête avec ton crack toi. T'as un crack, c'est écrit. On va looter. On va looter. Ok, on... Mais il est toujours pas mort lui là. Non mais... T'as le mec pour le toucher là. T'as un arc hein sinon. Ouais je sais mais... Tu sais, moi et là, c'est pas tu le touches pas hein, travers, si jamais. Si je le touche. C'est alors c'est comme ça que je mettais des coups. Tout à l'heure je mettais comme ça. C'est pas énorme, okay, mais je le mettais. Ah je sais pas, je te voyais taper, je voyais pas. J'aurais aimé le looter là, ce sac. Tu peux le fouiller de là où je suis. Ah. Oh, du parfum, incroyable. Comment tu peux le fouiller? Là ouais, en diagonale comme tu fais. Si tu vises en bas, normalement moi j'ai fouillé là, enfin je l'ai eu. Alors, peut-être que vu que c'est pour la quête, vu que j'ai fouillé... Ouais, mais non, parce qu'il y a quand même le trophée sur lui, donc normalement, tu devrais pouvoir. Tu peux vraiment pas? Bah écoute, je ne peux point, hein. Mais déjà, il a full glitché, il aurait... Il aurait jamais dû passer par là. Mais oui. Bon, écoute, tant pis. Foutu, c'est foutu, hein. Tu sais que je vois des cailloux volés et tout, moi. Oui, je les ai vus aussi, par contre. Ah, faut être à deux, là, ok. Bien joué, mon pote. Il a compris, là. T'es un putain de super-héros. Ce monstre nous avait coincés ici. Il refusait de partir. Il s'est jeté sur nous dès notre arrivée. Marc en a pris plein la gueule. On a juste eu le temps de se tirer pour venir ici. Ça fait pas longtemps que ça s'est calmé. On a cru que ce truc avait fini par partir. Et voilà que tu débarques en cognant sur la barricade, et puis... Ça a repris. Je cherche Demoulin. Vous l'avez vu? En haut. Viens, on va te conduire à un toubib. J'avoue que la première fois par contre il m'a roulé dessus. Après j'ai mis de life de base mais il m'a ouvert. Il m'a détruit hein. Demoulin, c'est ça? Je m'appelle Aiden. Pas mal, pas mal. Aiden, c'est un plaisir de te rencontrer. T'es sacrément doué. Et t'as pas la tête d'un pacificateur. Alors, t'es qui? Parler des lampes? Ouais. Juan m'a demandé de venir te voir pour les lampes. Ah, les lampes. Les doigts dans le nez, qu'il disait. Eh ben non, pas de chance. On en a trouvé quelques-unes. Mais c'était clairement pas une récolte abondante. Et tout ça pour un coût exorbitant. Le caporal tué par le monstre dehors a un frère dans l'unité. Ça va le bouleverser. Il est en ce moment avec une escouade au sud, sur la promenade de Lower Dam. Ils n'ont toujours pas envoyé de rapport. Ça me dit rien qu'il vaille. On doit le retrouver. Sa mère a perdu son mari dans une zone sombre la semaine passée. Et elle vient de perdre un fils. Si son autre fils venait à mourir... Ce serait beaucoup trop pour qu'elle puisse le supporter. Je vais les retrouver. Ok. Le garçon s'appelle Sébastien. C'est un coin très dangereux, les îles. Encore pire depuis que les renégats en ont pris le contrôle. Eh ben, je peux te dire qu'on n'est pas prêt d'y aller à cette tour. Hein. Ah, je peux te dire, ça n'arrivera pas. Hein. Là, je vois mon rêve s'éloigner. Ouais, je les vois là au loin partir, partir. Je suis tellement déçu. Et là, malheureusement... C'est en dessous, apparemment. Ouais, c'est en dessous. Hey.
remercie pour ce faut vous reprendre là en fait simplement. C'est loin de toute façon, ok. Oh, tous les petits sacs au sol, c'est quoi? Ah, ça doit être les zombies. Oh, viens voir comment c'est stylé ce passage. Regarde. J'arrive. Il faut passer par au-dessus. Là. Pas trop classe. Ah oui. C'est sympa. Ouais. Allez, allez. 400 mètres, let's go. Non mais je te jure. Comment ça... Ah, nickel. On va pas pouvoir en tirer grand-chose, par contre. Tu t'attendais à quoi? C'était des gens comme les autres avant tout ça. Artisans, profs, jardiniers. Pas des guerriers. J'ai l'impression d'être plus lente qu'autre chose avec le parapente. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai même pas pris. Moi, j'arrête, hein. Parce que quand c'est du tout droit et que c'est pas sur un étage ou quoi, bah en vrai c'est très ralenti, c'est tout. Je pense que peut-être une fois amélioré, bon peut-être, hein, je dis pas, mais... Ouais ouais, ça va être incroyable. Oh, moi j'utiliserai pas, moi c'est dit... Conteneur d'inhibiteur détecté. Oula. Ah, conteneur d'inhibiteur détecté, je et là suis au sol derrière toi. Qu'est-ce qui s'est passé, j'arrive. Ah non. Okay. Bah mon parapente qui s'est déclenché, mais j'ai quand même pris des dégâts de chute. Non, ça va, du coup, mais... Ah, j'étais à 10, mais ça doit être en dessous, là, non? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Encore des renégats. Encore? C'est de la folie. C'est sûrement encore un sale coup de Waltz et du boucher. Il est où, conteneur d'inhibiteur? Pourquoi maintenant? Il est sur le pont? Je sais pas. Il y a des renégats du coup hein, sur la pose si jamais. Ouais. Et le conteneur. C'est dommage parce que j'étais pas loin apparemment. Bah 9 mètres, c'est en dessous quoi je pense. Bah j'ai essayé d'aller sous le pont pour regarder. Il doit y avoir peut-être une petite zone pour rentrer. Vous êtes là? Répondez. Ok, bon on va gérer les renégats déjà. Ouais. Pff. Soit un petit coup de pied et puis c'est bon hein. C'est pas le zombie en fait. Attends, il y a des bonbonnes explosives. Tu veux pas jouer avec? Ah bah vas-y si tu veux. Je sais pas où elles sont alors, parce que j'ai peur que ça se déclenche. Ah mais j'arrive pas à les lancer assez haute en fait, quoi qu'il en soit. Ah ouais? Ouais ouais. Bon tant pis hein. J'arrive. Oh. Bah écoute hein. Allez hop, c'est bon. Ah c'est lui là. Ok. Tobias, vous me recevez? J'ai trouvé tes hommes. Enfin, quelques-uns. Désolé, mais... ils sont morts. Oula. Little, t'en es sûr? Combien? Il y a deux cadavres. Difficile d'être plus mort que ça. Il y avait 5 gars dans le groupe. Il en reste 3. Il y a encore un espoir. Je vais aller voir. Du coup, faut aller voir ici? Utilisez votre instant de survie, tu vois qu'il y a des traces de pas au sol. Attends, ils sont niveau 5 par contre? Ouais, ils sont énervés, je sais pas ce qu'ils ont. Pourquoi ils sont morts? Oh, c'est un spécial ça, non? Non, c'est le cours dessus, c'est du niveau 5, je sais pas trop ce que c'est ce délire, mais... Mais attends, mais ça se loot? Infecté rare. Loot-les, hein. Ah ouais? Mais attends, mais j'ai toute une armée au cul qui me court dessus, c'est quoi ce bordel? C'est peut-être pour ça qu'il y avait le... Qu'il y a tous ces explosifs, hein. Si tu veux, les bonbonnes sont dans le camion sur la route. Justement là où il y avait le... Ce qui arrive, là. Ah, c'est pas mal ça aussi. On va laisser les brûler. Hein. Mais attends, t'en as encore beaucoup ou pas? Attends, je vais exploser. Plus... Ouais bah fais... Attends, fais... Bah je suis à terre. C'est vrai? Ok, ouais. J'arrive. Oh non. Attends, il va faire nuit là? Non, non, t'inquiète, j'arrive.
Non mais c'est horrible, ah, non, mais je pourrais jamais en fait. Mais il y a trop de monde, c'est abusé. Vas-y, je me réa, de toute façon, je suis morte. Je suis mort aussi, hein. Non mais c'est abusé le monde. Attends, tu me dis non, t'inquiète, mais bien sûr que si, il va faire nuit. Ouais, je t'ai dit non, t'inquiète, mais j'ai pas regardé, mais qu'est-ce que je fous dans un McDo, moi? Je suis là, mais c'est là où on était, hein. Ils vont sûrement rentrer, fais gaffe. Mais non. Comment on fait? Non mais c'est pas possible, hein. Alors, j'ai une idée, mais... Ok. La lampe UV, attends, hein. Je sors, hein. Lampe UV. Ah, lampe UV, ouais. Ah, mais c'est tellement long pour le mettre au sol. Dès que je voyais des traces de pas tout à l'heure. Ça les affaiblit, mais ouais, en fait, on leur fait pas beaucoup de dégâts pour autant. Non, mais ils sont vénères. Non, mais c'est abusé là, c'est fou. Ok. Je voyais des traces de pas tout à l'heure pour eux et je trouve plus les traces de sang maintenant. Oh là là. Faut qu'on passe la nuit là, faut qu'on fasse, je sais pas. On est à. Ah non, mais on est très loin. C'est pas la nuit, hein, le problème, je pense, c'est la zone, hein. Oh le monde à l'étage. Ouais ben écoute, je sais. Oh là 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 là. Ça sort pas trop mal. Il n'y a plus les traces de sang, hein. Aïe. Oh super, tout ça pour ça. Oh là là, ce qui m'a mis. Oh là là, mais au secours. Il met trop cher, c'est affable. Et en vrai, j'ai remis des bons dégâts avec le feu et tout, mais je suis mort. Mais je pense que, encore une fois, les explosifs sont faits pour ça. Faut qu'on arrive à le gérer avec les explosifs dans le camion, je pense. Oh là là. Je pense qu'il faut arriver à choper les explos et à... le problème c'est d'arriver à les caler, quoi. Ils te suivent, donc si tu te fais exploser avec, c'est pas non plus. Bon, au pire, pourquoi pas. Mais... à la limite, quitte à mourir, autant. J'ai des molos, je crois, j'en ai la blinde. Ah ouais, non, mais j'ai fait qu'envoyer des molos aussi, mais. Ok, contenu anti-inhibiteur détecté, très bien, très bien. Mais vous êtes qui là? Okay. Attends, est-ce qu'ils nous ont toujours en aggro? Parce qu'au pire, faut peut-être y aller en fufu. Hein. Ah. Fufu, hein. Fais attention, je balance une molo. Ah, mais y'a plus d'explo? Ah non. Ah, sinon, moi je vais les refroidir un peu. Hein. Oh, élimination! Mais je vais prendre le feu là, non? Oh oh! Ok, je vois les traces! Je vois les traces de pas. Ah ouais, bah... enjoy, hein. Ils étaient complètement barrés. C'est totalement dingue, je sais. Il a dû leur arriver quelque chose. Ah bah je sais ce qui leur est arrivé, hein. Comme les autres, enfin pour la plupart. Maintenant on dirait des virulents sur pattes. Ils sont barges. Ils butent tout ce qui passe. Barges. C'est abusé quand ça me court après, ça m'angoisse le son. William les traite comme des animaux. Et ils pètent un plomb. Oh là là, putain, ça abusé, violent, hein. Il me saute de suite. J'aurais dû esquiver, j'ai essayé de parer. J'ai eu le mauvais réflexe. J'ai pas le réflexe d'esquiver souvent. Ouais. Vraiment pareil. Bon, on en est où là du coup? On peut se barrer? Bah, j'ai commencé à suivre les traces de pas, mais je sais pas si c'était suffisant. Non, mais ça monte sur les caisses et tout, c'est quoi ça? C'est à 95 mètres, hein. Je pense qu'on peut partir, mais le problème c'est que, ouais, comme tu dis, c'est la nuit maintenant. Oh là là. Vas-y, viens, on s'en va. Cette zone est terrible. Elle est terrifiante cette zone. Ok, je suis arrivé, je pense. Yes. Ah ouais? Ouais. C'est où? Juste au-dessus de toi. Comment j'y monte? Tu peux te téléporter normalement. Enfin, là où j'étais, tu pouvais, là. Ah ouais, vas-y. Ah merci. Voilà. C'est bon. Je crois que mon dialogue a bugué. Je les ai trouvés. Ah. Bon, il a juste dit je les ai trouvés. Ouais. Je pense que les dialogues ont. Oh, les renégats maintenant. Oh non! Non! Ça fait? J'ai sauté! Ah non, j'ai cru que t'avais réussi à faire la touche C là. Moi aussi j'y ai cru! Bah, attends, pire, non. Me saute pas! Non, mais j'arrive! Ah! Trop tard! Ah, mais t'es morte? Trop tard, ouais.
Ah, tu t'es suicidé ? Ouais, parce que en fait, vu que j'étais tout en bas. Ok. Oh, c'est bon, j'ai respawn au même endroit. Ah ouais, y a des gars et tout qui te courent après, non mais. Sur ça. Ouais, mais je pense pas qu'il me suit ici, hein, t'inquiète, c'est bon. Tu peux te TP si tu veux. C'est bon, je suis là. Du calme, c'est deux moulins qui m'envoient. Vous allez bien ? Moi, ouais. Sébastien, pas tant que ça. Parlez des lampes. Bah non, on va l'aider avant. Sébastien, quand même. Mais oui. Comment il va ? Il a pris cher. Les enfoirés de renégats. Je comprends pas pourquoi il y en a autant dans le centre. Ils nous sont tombés dessus d'un coup. J'ai réussi à m'échapper avec Sébastien. Tu peux marcher ? Je compte pas l'abandonner. Pas dans cet état. Va falloir changer son bandage. Celui-là est dégueu. Il m'en reste plus. Dis, Demoulin t'a parlé de lui ? Ouais, de son frère et de son père. Non, pas ça. Sébastien, c'est un artiste. Demoulin lui a promis de l'emmener un jour à Marseille, dans la boutique de son vieux. Il peut pas crever comme ça. S'il te plaît. Attends, s'il te... Quoi ? Il devrait s'en tirer. J'adore les dialogues. Oh, il a l'air d'aller bien. Eh, franchement, c'est ok. Bon, du coup, les lampes à UV. On va l'aider, non ? Ouais, on est trop gentil, on est trop gentil, quoi. Alors, il nous a donné une arme pour le tuer, c'est ça ? On va abréger ses souffrances ? Je pense, hein. Mais c'est pour les lampes que je suis là. Où est-ce qu'elles sont ? Attends, il a dit tout ira bien pour lui, mais c'est pour les lampes que je suis là ? Mais oui. Nous avons atteint le bâtiment. Oh ! Pour entrer, on a tendu des cordes depuis l'autre fois. Et c'est là que les renégats nous ont de nouveau attaqués. Aiden, il en a marre. Les lampes ? Toujours sur la plateforme. Je te promets, j'ai pas cliqué sur ça. Hein. Les c'est vrai cachés pour que personne ne puisse les voir dessus. Ah non, tu te fous de moi, t'as cliqué ? Seba les a vus depuis l'autre bâtiment. Non, non, j'ai vraiment cliqué sur ce qu'on a dit en plus. Manque de bol, on n'a pas pu terminer de sécuriser les cordes. Y'a un autre moyen d'y aller ? Tu pourrais entrer dans l'immeuble, mais comme je te l'ai dit, il est infesté de mordeurs. Ok, je vais essayer la corde. Faudrait que tu sois une araignée pour grimper là-haut. Et sa grouille de renégats dehors. J'aime prendre des risques. T'inquiète, je suis une araignée. Contacte Demoulin et dis-lui ce qui s'est passé ici. Je vais récupérer les lampes. Non mais vraiment, j'ai fait aider et c'est notre perso qui en a marre d'aider en fait, je crois. Notre perso, il a envie d'aller dans la tour lui aussi. Hein. Moi je pensais ça. Et comme il a pété un cap par contre, Aiden là. Ah c'est tout là-haut là qu'il faut monter. Attends, c'est par là alors peut-être. Il a parlé d'une corde. Oh non ! Ah. Oh, j'ai entendu des bruits, on aurait dit des claqueurs dans The Last of Us, le truc. Ah, inhibiteur ici. Ah bah voilà. Ça fait plaisir, ça. Ah bah ça doit être ça, là. Ouais, t'entendais pas un bruit, là où j'étais ? Si. Genre... Ah, je panique ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'entends plus les gros bruits de pas ? T'as fermé ? Quoi ? Il se passe quoi ? Il y avait des énormes bruits de pas. Voilà, genre ça ! Ouais, je crois que c'est ça. Mais il est pas mal, hein ? Bon bah... Oh bah là, c'est pour ça qu'on voulait pas ouvrir ici. Moi, je voulais d'abord gérer lui avant d'ouvrir, là. Bah, tu sais que j'ai pas ouvert, hein ? Oui, non, mais je sais que c'est scripté, on devait faire ça, tu sais, mais moi j'étais en mode de... Je cherche la créature. Bah là, je suis sur le dos de la créature. Oh, c'est stylé, on est dans l'autre sens. Ouais, ouais, c'est... stylé. C'est le terme. Lawan. Ah, je vais bien, mais je suis tombé. Les lampes sont foutues ici. Va falloir gérer le truc là-haut. Et vérifier l'autre conteneur. Admets-le. Lawan te plaît. Quoi je... Lawan, lâche-moi. Ah, faut pas monter comme je fais là. Si, c'est bon. Si, ça marche aussi, t'inquiète. Ok, on va devoir le tuer autrement. Ou alors, faut lui donner beaucoup pousse, de coups de pied. Ouais, faut vraiment le pousser. Attention, derrière toi, il y a un monsieur bonbonne. Ouais, bah faut peut-être les utiliser pour le faire exploser sur lui. Tiens, attention, il va péter. Il faut le faire... Justement, faut le faire exploser sur le gros, je pense. Attends, je monte en l'air pour lui marcher sur la tête. Ouais, fais ça. Aïe. C'est bon, coup de tête. Ok.
Je remonte. Et ça va marcher parce qu'en plus... Ah non, il va charger. T'inquiète. T'inquiète, bah oui, c'est moi qui charge. Tu m'étonnes, t'inquiète. Ok, on peut le mettre là, viens. Si on l'attire ici, il peut tomber. C'est moi qui vais tomber. Viens là, petit. Oh non, c'est les niveaux 5. Mais je crois vraiment que c'est à cause du bruit. Hein. Je suis tombé. Je suis mort. Oh non, moi aussi. Je crois que c'est à cause du bruit. Hein. Tu crois? Enfin, j'ai pas vu si c'est possible. Je suis pas sûr, mais avec le saut et tout, je me demande si c'est pas les niveaux 5 encore. Attendu, c'est hein. Probable, hein. Mais avant, quand on faisait du bruit, il y avait pas ça. Hein. Ou alors il y avait ça, mais c'était des plus bas niveaux et comme c'est une zone plus haute, peut-être qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu crois qu'il a encore sa vie basse? Oui, bah, s'il avait basse, oui. Donc là, on est dans la mousse, vraiment. Pourquoi? Oh bah quand tu vois les infectés qu'il y a et tout, c'est un peu... Il y a vraiment du monde. Bah en fait, il y avait des... Ouais, pas beaucoup de... Non? Ça va. Non, ça va. Il y avait les crashers aussi derrière. Non, c'est un niveau 3, lui. Ah, lui, c'est un 5, par contre. Ok, un 5 par terre, déjà. Ok, on va essayer de les pousser, tous les 5. Vas-y, c'est bien. Ah, là, vas-y. Tape, de pied, voilà. Attention derrière, toi, on fait pas l'autre. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours lui. Accessoirement. Il charge. Oh, il me charge. En vrai, on le découpe vite. Hein. Ouais, on le découpe très vite. On prend... Et encore, j'ai même pas pris la meilleure arme. Ouais, pareil. Et attends, là, il m'a jeté quand même. Je sais pas où je suis, je me fais balancer de gauche à droite. Ah. Oh là là. Et derrière toi, fais gaffe. Ça va, c'est pas un haut niveau, je le tue. Je vais me heal un coup. Vas-y. Tu sautes sur ma tête. Vas-y, on le finit. J'arrive. Il va crever de toute façon. C'est bon. Ouais, pense à looter lui. Hein. Ah ouais. Parfum encore et trophée rare encore. Moi j'ai pas de parfum. Et celui qui crache, il est où? C'est lui là. Lui, généralement, il est facile à tuer en plus. Voilà, ici t'as un. Ok, nickel. Ah ouais. Et là, il y a un conteneur là. Ouais, voilà, bah là on va. Ah, j'ai gagné, oui, ok. Eh bien. C'est déjà mieux. De Moulin? J'ai tes lampes, une douzaine de caisses, peut-être plus. Elles sont toutes intactes. Très bien, mon ami. Tobias m'a dit que tu les avais aidées. Merci beaucoup. T'es très débrouillard. Merci. Si tu le dis, je peux pas en transporter autant. Et je compte pas me promener chargé au milieu désinfecté. Les garçons peuvent accéder au toit et s'occuper des lampes. Et ouais, les armures niveau 3, c'est quand même... C'est quand même quelque chose, hein. Du coup. Juan, on a les lampes, mais l'équipe est tombée sur des renégats. Chut, pas la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers sur le navire. Elle est encore là, l'autre? Ah bah ça. Mais c'est bon. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est avec son frère maintenant. Mission accomplie. Tu sais ce que c'est, Eden? On dirait des crottes de souris, de la chevrotine. Caviar, gars. Ce qui est triste, c'est des œufs, Eden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. De beluga, pour être exact. Tout droit venu de mer Caspienne. Laisse-les fondre sur ta langue, et tu sentiras le parfum des vagues d'une lointaine et profonde mer noire. Le monde déborde de merveilles, de sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les pauvres types sans humour voient rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut pas être fan de machinations politiques et profiter de la beauté du monde en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Les Jack, Matt et Aiden du monde. Dommage que t'aies choisi le mauvais camp. Le seul camp qui compte, c'est le mien. Ça a pas l'air marrant. Je suis pas fan de solitude, moi.
Est-ce que Matt t'a dit ce qu'il comptait faire de ces lampes sans électricité? Et est-ce qu'il t'a parlé de sa mission suicide? C'est ce que je pensais. Prends ça et appelle-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes. Compris, Aiden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennui. On fait quoi? On lui pose la question directe ou quoi? Bah oui. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Aiden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. J'espère que t'as rien contre l'autorité, Aiden. Parce que Jack adore donner des ordres. T'éloigne pas de ta radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Occupe-toi de ces deux-là pour moi, d'accord? Ah, un marteau. Ah, j'avoue, ces grenades aussi, je vais encore utiliser. Et moi, j'ai des points de compétences à mettre, un de chaque. Ouais, un point de combat moi à mettre. Du coup, c'est quoi? Le marteau 45, ouais, c'est pas incroyable. Pas fou. Augmente la hauteur depuis laquelle vous pouvez atterrir sans subir de dégâts. Ah, mais il faut savoir faire la roulade, quoi. Ah non? Ah si. Bah non, pense, hein. Puisqu'il est, il dit non. Pas d'appuyer sur C. Et sur l'image, il fait même pas de roulade. Non mais je vais prendre sauter plus haut lorsque vous franchissez des obstacles. Ça m'a l'air pas mal, hein. Non mais tu peux le tenter, hein, sinon l'autre, hein. Mais ouais, peut-être t'as raison. Ouais.